Mesdames et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur TV Lakay. Et jeudi, c'est mardi. Et jeudi, c'est mardi 25 mai 2021. Nous comptons avec vous matin là pour nous porter toute première information pour toutes fanatiques, amis, abonnés, compatriotes, quel que soit à côté de dans le monde. Et c'est toujours avec même plaisir, même détermination, même honneur et respect. Nous entrons la caillou chaque jour, bon Dieu, mettez pour nous venir informer. Tout détail, restez connecté sur vidéo jusqu'à la fin. Pas oublier ou sous TV Lakay. Pour si là, qui peut abonner avec nous, pas hésiter à faire ça. Pendant même vous regardez vidéo, une façon pour aider nous, élargir la communauté TV Lakay. Et comme ça, ou même tout, vous toujours été informé. Lundi prochain, pour nous capables, en fait, mettre contrôle sur les affaires qu'on a pour nous comment la évoluer, pour nous comprendre mieux. Et la police. Tout l'état-major policier qui est avec nous là, il y a des instructions déjà pour être capable de faire des juges à respecter. Je crois que c'est de 10h à 5h du matin. Que bon couvre-feu pour 8 jours pour nous capables de mettre contrôle sur les affaires Covid-19. Il faut me dire, sous même les affaires coronavirus, nous connaissons tout. L'État haïtien signé avec COVAX pour une quantité de vaccins qui représentait 20% de la population haïtienne. Moi, je dis plus ou moins 2 millions de vaccins qui sont supposés disponibles pour le pays. Première dose, je viens pour venir dans le pays incessamment. Il y a des gens qui parlent de moi-même, mais nous-mêmes, notre travail, notre bataille, notre niveau gouvernement pour nous le plus vite sera le mieux pour avoir une disponibilité de vaccin pour les gens qui veulent. Il faut le dire parce que le vaccin n'est pas obligatoire. C'est si un monde estime que pour un vaccin, c'est le cas bon pour nous, même comme l'État, nous avons dit clairement que le vaccin, c'est la meilleure façon pour protéger peut-être pas. C'est-à-dire, si nous-mêmes, nous ne pas nous. Pas mettre disponible, ça veut dire que le bon problème, c'est nous-mêmes capables de prendre charge. Et c'est normal, parce que c'est nous qui l'État. Et c'est pour ça que nous prenons une décision hein, pour vaccin disponible en Haïti. Et dans le Conseil des ministres, nous-mêmes, nous avons parlé, disons, par instruction à la ministre de Santé publique, pour permettre qu'il y ait d'autres opérateurs privés qui aient un vaccin disponible, pour permettre aux gens qui ont la possibilité, nous-mêmes, de prendre un vaccin. Pas qu'à tonnes de vaccins d'État à l'opinion, pour être capable de jouer une possibilité pour un vaccin en Haïti. Parce que je nous dis, tout pays a fait effort pour vacciner la population. Par exemple, côté de sorti là, en Équateur, le président qui monte aujourd'hui, je voulais parler du président Guillermo Lasso Mendoza, lui dit dans les 100 premiers jours là, là, pour vacciner 9 millions d'Équatoriens. Ça veut dire que nous connaissons la population équatoriale, environ 14 millions de monde. Le président Lasso lui prend décision pour les 9 millions d'Équatoriens qui sont vaccinés dans 100 jours. C'est justement pour nous dire combien de vaccins sont importants pour un pays. Et nous-mêmes en Haïti, quand pas ici, on capte des gens, on capte des gens. En pile monde qu'on dit, en pile causé, mais nous-mêmes, nous là pour nous tenter sa autorité aussi. Le, pour prendre vaccin, pour immuniser, ça veut dire pas de possibilité pour un corona. Ça veut dire niveau de létalité, ça veut dire niveau dangerosité qui vient dans l'affaire ça, l'ordre, virus ça, comment pour qu'on mourir vite là, parce que nous déplorons l'envoi plusieurs. Nous n'avons hier semaine qui sont passées à là. C'est pour ça que nous croyons que les gens pour les gens qui ont l'idée pour faire vacciner, ils ont utilisé le vaccin que l'État va mettre à disposition. Et ceci, j'aime ce que nous demandons le samedi à la Conseil des ministres. Ils ont capable de nous moyens pour ça. Nous sommes capables d'utiliser des vaccins que d'autres centres
spécialisé dans le domaine ça gagné yo capable d'utiliser vaccin ça tout pour yo capable protéger tête contre corona. Zami n'a presque pas les que la télévision. Moi je te vois l'officiel à Tito en Équateur, c'est ancien président Luis Moreno qui t'a invité moi pour me participer dans la cérémonie prise fonction d'investiture nouveau président. Je vais parler de président Guillermo Lasso Mendoza. Je nous connais depuis plus qu'une dizaine d'années entre la République d'Haïti et la République d'Équateur. Bon, excellente relation d'amitié qui existait et de solidarité qui existait entre deux pays. Et relation ça, il traduit principalement par développement en coopération bilatérale dans le domaine infrastructure, dans le renforcement de capacité, notamment pour la police nationale d'Haïti et garde-côte, et puis plus précisément génie militaire. Nous songeons qu'il y a une quantité militaire que l'Équateur forme pour nous dans les affaires génie militaire. Et je vous dis, pendant qu'on a parlé là, M. Lamzaro, il y a une construction de route Carrefour-Joff là. Ça veut dire qu'il y a pile chauffeur, technicien qui travaille dans la route Carrefour-Joff en Savoie, je vous dis. C'est des militaires que vous qui étaient formés en Équateur. Et c'est sous base de relation ça que moi t'ai invité pour me participer dans cette cérémonie ça. Jean Courtoisien international yo exigé nous a fait protocole. Nous t'ai obligé prendre décision. Nous connaît moment pas favorable parce que nous avons un problème de pandémie, le coronavirus. C'est un moment qui est extrêmement difficile, même si pour une décision difficile tout, pour nous d'aller participer. Et ce n'est pas moi-même seul comme chef d'État qui était là. Tu as gagné le roi d'Espagne, le roi Philippe VI, tu as gagné le président dominicain, le président Abinader, tu as gagné le président brésilien, le président Bolsonaro, qui était là tout, ensemble avec nous, et tu as gagné le vice-président Paraguay qui était là. Non. Investissement ça. Et États-Unis dévoue une grosse délégation qui était présidée par l'ambassadeur américain dans les Nations Unies qui était venu dans la cérémonie d'investiture président Lasso. Et nous avons profité de l'occasion ça parce que lors de tout président ça qui est venu d'un seul côté, nous avons profité de l'occasion ça pour nous discuter le sujet d'intérêt commun. Par exemple, processus électoral là dans le pays d'Haïti, dialogue politique là dans le pays d'Haïti, lutte contre le coronavirus là et conséquences sociales et économiques pandémie ça. Nous avons des échanges qui étaient très fructueux avec président de la République fédérative du Brésil. Nous avons parlé de Jair Bolsonaro. Nous avons parlé autour des relations haïtiano-brésiliennes. Nous avons parlé de la pandémie COVID-19 là. Et surtout, nous avons parlé de la situation compatriote nous cap vivre au Brésil. Nous avons parlé d'Haïtiens cap vivre au Brésil. Nous tous connaissons que depuis le tremblement de terre là, nous avons parlé du tremblement de terre janvier 2010, depuis l'Haïtien, quitter le pays et pays d'accueil c'était Brésil. Donc plus jeune femme et jeune garçon qui était fait sorti dans l'université qui était quitté pays qui est allé dans le pays Brésil. Le président brésilien voulait assurer le soutien d'Haïti pour candidature Brésil à un poste de juge à la Cour interaméricaine des lois de l'homme. Comme nous t'avons fait faire promesse là à travers un ministère des Affaires étrangères et des cultes, Brésil
fait partie de pays côté nous-mêmes, nous voilà accorder vote par nous dans l'élection qu'a fait dans le mois de novembre 2021. L'élection sera pas faite dans le cadre 51e session Assemblée générale organisation État américain. Pour être capable de combler 4 postes vacants dans le niveau CIDH. Alors, le Brésil met compter sur nous. Mais ça. Nous avons un petit bas de bouche tout avec, on petit parler avec le ministre, avec le roi d'Espagne. Là. Si tu as parlé ça, il était fait sous relation Haïti avec l'Espagne. Même si tu as plus sous les affaires, relations bilatérales que nous avons avec un pays qui est censé être membre de l'Union européenne. Ça veut dire qui ça? Je dis qu'il y a une relation multilatérale, il y a une relation bilatérale. Ça veut dire que l'heure où il y a une relation multilatérale, il faut qu'on la passe si le pays a fait un travail ensemble avec vous. Il faut le passer par exemple, si son pays de l'Europe, il faut le passer dans l'Union européenne et c'est à travers l'Union européenne qui travaille ça au fait. Mais avec l'Espagne, nous avons une relation bilatérale qui est plus directe. Et je vais profiter de remercier pour ça, pour me dire que la relation sérieuse lui permet le développement d'un bagage qui est important pour nous en pile, c'est l'eau potable à l'assainissement. Dans pile commune dans le pays qui n'a pas de l'eau, et à travers DINEPA, agence espagnole de coopération internationale, yo mette en pile coup de main dans le niveau DINEPA et dans pile ville dans le pays aujourd'hui qui commence à gagner de l'eau. Nous connaissons que la BIDO travaille avec DINEPA. Nous connaissons la Banque mondiale travaille avec DINEPA tout. Nous connaissons des projets qui ont fait à travers tout le pays. Par exemple, dans le sud, des communes comme communes Tiburon, communes Les Anglais, communes Port-à-Piment, communes Rochabato, communes Port-Salut, des réseaux hydrauliques qui ont construit dans la commune. Ça veut dire pour nous comprendre très bien, non seulement mettre lumière à l'important, ça veut dire nous connaissons qu'on a construit un réseau électrique dans tout le pays, dans toute commune dans le pays. Ça c'est sûr, c'est clair, on va aller. Toute commune qui est dans le pays d'Haïti a bien réseau électrique. Pau. Ça veut dire que toute commune dans le pays a bien quoi. Ça c'est clair. Mais pour me dire tout gloire, c'est des rêves pas nous. Mais nous connaissons que, si nous connaissons là, nous ne pouvons pas bien mettre de l'eau dans toute commune. Mais toute commune côté dîner pas à travers coûte mais ça que l'Espagne, la Banque mondiale, la Bible, bonne en dandini par n'a travail pour nous capables de mettre de l'eau dans le maximum de côté nous capables. Par exemple, Cap Haïtien, je connais test fait déjà sur ville au Cap. D'ailleurs, c'est une ville que je connais très bien. L'âme levée du monde. Je connais que de l'eau, c'était toujours un casse-tête chinois pour le monde dans ville au Cap depuis longtemps. Mais je connais qu'il y a un effort qu'a fait pour bien de l'eau non. Non, bonne partie de là. Et nous avons souhaité nos futurs proches pour gagner dans toute ville là net. Non, si tu as parlé de fait, nous avons parlé avec le président Abinader, qui est le président du pays dominicain. Nous avons parlé avec lui sous support que l'été commencé par nous dans un changement de constitution. Nous avons parlé avec lui pour qu'il y ait une position ça, parce que. Moi-même, quand je parle avec nous là, je suis supposé 7e président d'Haïti après 35 ans, je vous dis 19e. Et conseil de monde, j'aime toujours dire, nous, monde qui dit, vous nagez dans des autres oubliés, la constitution, ça, c'est pour vous le bon. Il n'est pas bon pour vous-même qui fonctionne la République, il n'est pas bon pour vous-même qui c'est jeune, il n'est pas bon pour vous qui c'est paysan, il n'est pas bon pour vous qui c'est diaspora. La constitution, ça, pas bon pour vous-même qui fonctionne dans le pays. Ça veut dire, monsieur, on a. Dans le monde, même des candidats à la présidence, nous avons le courage de faire campagne contre la constitution. Ça. Et je dis, son engagement de campagne, c'est lui que m'a respecté pour faire chaque haïtien qu'on est, pas un Jean-Pierre Issa qui ne va pas avec
clé pour ça, un groupe de monde mette dans le coup. Chaque haïtien pour empêcher le pays à déraper. Et le président Abinader, il faut maintenant que la continue, dans le même sens, ça, encourager pour rendre la démocratie dans le pays, encourager la stabilité politique, parce que en constitution qui borde 19 présidents dans 35 ans, c'est fondamental que l'arithmétique n'est pas un besoin de mathématiques. Diviser 35 par 19, pour chaque qui combien de temps, le bon président. Vous avez dit que c'est chaque un an et un mois, parce que en moyenne, nous avons président. Ça veut dire, nous avons supposé 7e président élu dans le VIA, mais c'est 3e président qui passe dans l'élection dans le VIA. Et bien, 2 ans, c'est un coup d'État. Que vous avez dit, il y a un qui prend 2 coups d'État, il y a un qui prend 1. Et nous tous connaissons. Pour moi, ça a passé. Pour le président lui-même qui a eu un mandat 5 ans, il a dit 4 ans, 8 mois. Et là, il a quitté. Son petit passe-coup est obligé de faire. L'obligé de mettre pouvoir à 2 feuilles papier. 2 graines feuilles papier. Parce que si le papier est mis, c'est un autant de pays à craser et à bouler. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, moi, je crois que. Nous revenons à fois avec le pays, hein, pour nous yon nous garder l'autre dans nos yeux, pour nous suspendre, nous yon tomber l'autre, pour nous dire vérité aux gens. Le pays a besoin de la paix, a besoin de stabilité. Les gens qui ont petit, ils ont besoin de l'école, ils ont besoin de vivre dans la paix. Pour le fait, nous-mêmes qui faisons politique dans le pays, nous avons le seul choix, c'est pour nous mettre politique au service de nous-mêmes. Et comment vous nous mettez? C'est le nous yon nous chita clot pour nous bailler une bonne direction sur 25 ans. Ce n'est pas le nous de nous gourmet, yon a clot pour des intérêts obscurs ou bien pour nous faire, Jean-Ministre Financier de dit en français, des bénéfices induits, même les bénéfices suspects. Que les mauvais contrats passés, contrat malachon, contrat de graine gauche, qui a passé pour dire président, fait président menace. Moi-même, moi dis-nous ça, monsieur. Je ne sais pas comment j'ai dit nous encore. Nous n'avons pas besoin de continuer à faire menace encore parce que moi-même, personne ne va pas faire menace. Personne. Je vais sortir. Ça veut toujours dire que c'est fini pour nous chiter à valer. Et souvent, on a fait un mauvais contrat, ou pas qu'on chiter à valer. Parce que c'est pour régler le problème de contrat pour là-dedans. Si vous avez besoin de venir pour nous chiter à nous parler, parce que le problème dans le pays, les bouquets, avec des gens qui vont dire qu'ils mettent le pays, et bien, il y a un seul peuple là. C'est lui qui met lui. Et c'est pour lui que nous travaillons. Et c'est lui-même qui mettait nous côté nous là, qui fait nous sortir loin de nous. Et c'est pour ça, je suppose que nous demandons président dominicain. Comme nous sommes deux présidents, qui sont présidents de deux pays qui sont même terre, sont frontières séparées, nous, les assurer de support. Je vais parler avec les tous sous un problème qui vient dans le niveau du rivière massacre. Parce que comme nous connaissons, moi je prends une décision pour me construire un barrage de dérivation sur le rivière Massacre. Ça veut dire que les gens qui ont été capteurs de la garde, les gens qui ont été férés, ils ne connaissent pas de côté même dans la campagne. Je ne dis pas de côté, je n'ai pas fait candidat même à la présidence. Je suis dans la zone, bon là carrément, je regarde qui vivait, qui était facile, et je me dégage de terre dans la zone. Et depuis 2012, nous avons commencé à explorer pour nous prendre un grand jeu de massacre. Nous avons alloué 2500 caoutchoucs en durée dans la zone terrible. Et sous le même rivière massacre, nous voulons tout le monde comme ça. Pour nous, seulement en République dominicaine, nous avons 11 brisures. Et sous le même rivière massacre, en aval, à côté de nous-mêmes, nous décidons de faire la barrage de dérivation. Pour nous, on veut parler de l'État dominicain lui-même, nous avons un réservoir qui nous fait sur nous. Ça veut dire que nous faisons une dérivation avec des réservoirs. Jean-Noué, par exemple, Marion lui-même, c'est sous l'IA même que nous faisons un réservoir. Mais on a un fond canal et dérivé en partie dans l'IA avec nos réservoirs. Et d'après ça que je m'apprends, c'est le plus gros réservoir d'eau douce qui vient dans la zone pour les réservoirs. Et l'IA, on peut déployer le pétrole sans le sel. Non, zone de Monte Cristi. Entre Monte Cristi et Dabon. Ça veut dire, nos relations de bon voisinage, nous même en aval, pour nous comprendre, des amis en bas
côté nous même n'a fait n'a prend prise là il y a un réservoir que fait nous même prise que n'a prend il pas un réservoir sur lui ça veut dire il pas pral déranger réservoir que rien même gens nous même on pas oublier fleuve Artibonite c'est la caillole sorti nous même nous font réservoir sous fleuve là ça veut dire si on t'a fait prendre décision pour faire réservoir sous fleuve Artibonite en amont, ça veut dire qu'il y a plus que côté de faire réservoir par nous. Il faut revenir par la veine. Parce que nous avons réservoir déjà qui est en bas. Mais si son canal de dérivation a fait, je ne sais pas ça, nous obligé de faire propre discussion sur lui. Et c'est même genre. Je dis à la première fois que le pays d'Haïti a fait une prise sur le massacre. Le massacre prend sous lui. En Haïti, il y a zéro prise sur lui. La République dominicaine a 11 prises sur lui. Et bon, les gagnants ont réservé sur lui. Ministre Affaires étrangères avec moi là, nous connaissons que y a un rendez-vous avec ministre Affaires étrangères dominicain jeudi 27, pour discuter de sujet ça, parce que nous sommes deux pays voisins, nous sommes deux pays amis, nous n'avons pas qu'une raison de mon problème pour ne pas avoir une solution. Mais solution, j'en ai un monde, voilà même, nous ferions. Après avoir joué, il y a construit le canal là. Je vous garantis que la solution, là, vous avez dans le sens côté pour l'eau venir dans le canal là, pour aller aux états dans le février, dans la zone néon. Et je voulais profiter de l'occasion pour me parler avec tout ultranationaliste, et dominicain et haïtien. Peuple dominicain avec peuple haïtien, nous condamnons pour vivre ensemble. Nous avons eu une chance de parler en janvier, nous avons rencontré le président Abinader, nous déclarer avec lui. D'ailleurs, nous sommes deux amis, nous parlons souvent, nous rencontrons tout le temps. Moins dire que le vice-président dominicain, ça veut dire là pour défendre l'intérêt du peuple dominicain. Moi-même, moi, je suis président d'Haïti, moi là pour défendre l'intérêt du peuple haïtien. Mais sans nous pas quitter en qu'un ultra-nationaliste des deux côtés, viennent faire nous faire erreur. Il faut nous prendre charge, nous mettre courage, nous. Pour nous camper, pour nous faire ça qui est bon, pour chaque peuple, dans le respect de la loi, dans le respect des normes internationales en matière de deux peuples qui vivent sous même terre. Ça veut dire l'ultranationalisme, bon pays d'Haïti, ça veut dire pour le peuple comprendre bien ça, comme l'ultranationalisme, ça veut dire des gens qui, ou pas comme ça, le gars dominicain, mais là, c'est même gens du côté dominicain, des gens qui ne sont pas comme ça, le gars haïtien, il y a haïtien. Mais on va en pile. Mais on va en pile, boule. L'ordre d'en parler. Ça veut dire que c'est pour nous éviter, pour que nous n'ayons pas influencé la décision que nous avons bien pour nous prendre entre deux peuples amis, deux présidents qui ont une relation cordiale pour nous continuer à travailler ensemble pour le bonheur du peuple dominicain et pour le bonheur du peuple haïtien. Rencontre que nous avons fait avec le président Lasso hier soir, le président Lasso, c'est le nouveau président Équateur là, nous avons parlé de coopération militaire. En coopération commerciale et agricole. Et moi, je te dis, l'année qui a commencé là, nous avons dérapé, nous avons l'année que nous rétablir, nous renforcer les relations que nous avons avec l'Équateur pour nous capables de plus de jeunes femmes et jeunes garçons qui intègrent l'année d'Haïti. On l'a mis qui prend l'année crasée, qui prend l'année crasée brisée, qui prend l'année coup d'État. Mais son l'armée que nous avons mis sous pied pour le venir au service du développement. Même Jean Saté fait Marion, militaire, c'est eux-mêmes qui travaillent pendant toute la nuit dans Marion, avec des techniciens haïtiens et ingénieurs experts cubains que je remercie encore publiquement pour gros support que vous avez pour nous, qui fait que nous arrivons à mettre un réservoir qui a une capacité de transit pour transiter 20 000 m3 de par année sous pied. 91 ans après que sous l'occupation américaine, sous le président Stéphane Vincent, décision ça a été prise pour démarrer le barrage et lui. Dernière catégorie, nous avons rencontré, ça veut dire, ce n'est pas ton président, c'était une forte délégation américaine qui était présidée par l'ambassadeur États-Unis des Nations Unies. Et il était gagné plusieurs autres. Gros officiel américain qui était là pour nous t'ai chita parler sous processus électoral là avec le référendum. Nous t'ai parlé tout sous support, bon,
Yo même surtout te dit nous que yo, que les États-Unis parlent pour bay beau j'en support dans processus électoral là en Haïti. Et nous même nous te font plaider